Salut à tous, une vidéo sur la Fedora 28. Une petite vidéo, truc et astuce. Fedora est une distribution que j'aime beaucoup. Elle est presque rolling et c'est pour ça que je la surnomme qu'elle est un peu une semi-rolling sur certains plans parce qu'elle est très dynamique. Même s'il y a des versions à peu près à date fixe, côté de publication, parfois avec un décalage de 15 jours, elle est très dynamique dans sa vie. C'est-à-dire que par exemple, une version dure environ 18 mois, entre 15 et 18 mois. Mais durant cette durée de vie de cette version, rien n'est figé. Le noyau va évoluer, parfois même monter en version. L'environnement proposé va peut-être aussi monter en version, si c'est le cas. C'est-à-dire que c'est quand même assez mouvant. Et ça permet comme ça, pour les personnes qui n'aiment pas trop les rolling, d'avoir quelque chose qui ressemble sans être vraiment. C'est pour ça que si un jour, malheureusement, Arch Linux disparaissait, Fedora serait sûrement le choix que je prendrais pour continuer à utiliser Linux. Un commentaire sur mon blog a été déposé pour expliquer rapidement comment faire pour installer des dépôts RPM Fusion sur Fedora 28 Maté. Parce que autant la Fedora Gnome peut gérer tout ça, la Fedora KDE aussi, mais la Fedora Maté, c'est pas la joie. Et Dynet Dragora, encore moins. Parce que RPM Fusion, voilà, c'est le sésame pour avoir des logiciels qui ne sont moins libres que ceux proposés par Fedora par défaut. Donc là, on peut trouver entre autres VLC, on peut trouver des greffons non libres GStreamer, bref, pas mal de petites choses. Alors vous nettoyez dans le descriptif. Spécialement dans les liens non, dans le non libre pur et dur, on trouve des trucs comme les pilotes boîtes comme par exemple, et surtout le bad non-free qui permet d'avoir le support du FA, du AAC et du AAD. Des formats de compression d'Apple, ça peut toujours servir. Il y a aussi les pilotes Nvidia, il y a pas mal de petites choses qui sont bien pratiques dans la vie courante. Donc, pour vous montrer comment on peut faire sans prise de tête avec une Fedora Maté, j'en ai installé une dans une machine virtuelle, je l'ai mise à jour et je vous montre ça. Vous allez voir, c'est ultra super complexe. On est parti. Donc, c'est une Fedora 28 Maté à jour, comme vous pouvez le voir, avec un noyau 4.17. Là, je passe en plein écran. Pour pouvoir gérer tout ça plus facilement, voilà, donc là, je me connecte. Donc là, nous avons une Fedora 28 Maté avec un Maté 1.20.2, je crois me souvenir. Le 1.20.3 étant le dernier, on peut dire quand même que c'est du super frais. Donc voilà, il y a Compiz qui est fourni avec, mais les coups et les douleurs, bref. Et nous avons Dynet Dragora qui n'est pas extraordinaire, soit dit en passant. Bref. Donc première chose, c'est on va aller sur le site de RPM Fusion pour récupérer les deux paquets RPM qui vont nous permettre d'avoir accès au dépôt. Donc nous avons un Firefox 61, n'est-ce pas? Et on tape rpmfusion.org. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer ici. Et on va, comme on est sur une Fedora 28, on va cliquer ici. Et on va lui dire qu'on veut toujours enregistrer le fichier pour le dépôt libre et l'accès au dépôt non libre. Voilà, les deux sont téléchargés. Donc là, par contre, on va passer par un minimum de lignes de commande. Je tiens à m'en excuser. Voilà, là, je vais mettre un tout petit peu plus gros. Donc, nous avons les deux paquets. Il faut commencer par installer le paquet free, puis on installera le paquet non free. Donc, on fait sudo dnf install rpm fusion. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Allez, je vais taper plus loin. Free. Voilà. La complétion automatique se faisant via touche tabulation. Il va me demander le mot de passe. En espérant que je ne me suis pas gouré, c'est bon. Et là, il va m'installer l'accès au dépôt free.
de Apam Fusion. On fait la même chose avec NonFree. Voilà, maintenant les deux dépôts sont activés et sont rajoutés à la base de données de RPM. On fait plutôt sudo dnf update pour justement prendre en compte l'ensemble pour être sûr certain que les dépôts sont à jour. Voilà, on fait un petit exit. Et maintenant, on va rentrer dans cette joie inergonomique qui s'appelle DNF Dragora. Donc, je vais aller quelques secondes sur la liste des dépôts. Et on va voir ce qu'on peut installer. Parce qu'il faut quand même aussi que les clés, parce que c'est signé avec des clés GPG, il faut activer une première fois en installant un paquet précis pour justement être tranquille. Donc on va installer VLC. On va prendre VLC. Donc on va mettre tous. Affiché uniquement. Vous voyez, c'est ça qui est très bien. Il faut connaître le truc. Voilà. Et on va rechercher VLC pour VideoLAN Client. On va rechercher. Voilà. Donc là, on va réduire un tout petit peu ça, sinon ça va être illisible. Voilà. Et donc on va prendre le dernier VLC en date qui est le 303. Voilà. Clac. Et on voit bien que c'est marqué RPM Fusion Free Update. Donc il va nous dire qu'il faut installer la dépendance en question. Il y en a un sacré paquet, comme vous pouvez le voir. Et à un moment, il va nous demander. Il va télécharger d'abord les paquets. Et puis il va y avoir une fenêtre. Voulez-vous activer telle clé GPG pour justement qu'on puisse installer VLC. On va l'autoriser, parce que sinon on ne pourrait pas installer VLC. Ce qui serait un vrai ennuyeux. N'est-ce pas? Voilà. Voulez-vous importer cette clé? Oui, ça vaut mieux. Et maintenant, on va faire la même chose pour le dépôt non-free. Donc là, je ne vais pas m'ennuyer. Je remplace par non-free. Et on va installer le paquet GStreamer 1 Plugins. Ça va nous permettre de rajouter le support d'AAC et de AAD, le décodeur et l'encodeur du format Apple Audio. Il y a d'autres trucs, bien sûr, les pilotes Nvidia et compagnie, mais comme je suis dans une machine virtuelle, autant rester pratique. Voilà, c'est presque fini. Et là, on va faire la même chose, mais avec GStreamer 1. Le temps qu'ils mettent le pactage à jour. Et on va rechercher GStreamer 1 non-free. Bad non-free. Bad free, bad free extra. On prend toujours la dernière version. Bad non free. Et là, on voit bien c'est marqué non free update. Good. Ugly, ça vaut mieux si on veut pouvoir supporter tout ce qui est MP3 et compagnie. Et maintenant, on applique. Et le même principe, on aura une boîte de dialogue qui va nous demander voulez-vous importer la clé GPG de. Voilà. Oui, comme ça au moins, je suis sûr et certain d'avoir les dépôts free et non free activés. Par exemple, si par la suite j'ai besoin du pilote NVIDIA 390, je pourrais l'avoir. Alors, si on va dans les updates, clac, clac,
Voilà. Attends que ça se charge, bien sûr. Voilà, vous avez VirtualBox 2.14 et tout le bazar. Voilà. Tout vient à point, qu'est-ce qu'il faut attendre? Ou aussi l'accumulateur Commodore Vice. Voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de petites bonnes choses. Et maintenant, si on regarde dans les logiciels. Bon, alors là, il faut attendre quelques secondes. Parfois, Maté a du mal à répondre. Et normalement, nous avons un VLC3 qui va apparaître. Voilà. Et nous avons les dépôts free et non free d'activer. Dernier point, un tout petit truc. Parce que ces logiciels ne sont pas 100% traduits des démarrages. Là, je vous le prouvais, parce que si on lance LibreOffice, il va être en anglais. Normalement. S'il ne fait pas un tour de cochon, il sera en anglais. Ouais, il est en anglais. Donc, il suffit d'aller dans le menu système, du moins pour administration et langue, du moins sous Maté. Vérifier qu'on a bien le français activé par défaut et on fait OK. Et normalement, il va récupérer les paquets linguistiques qui manquent. Voilà, quelques secondes de patience. Ah, il y a un tout petit bug, ça arrive. Alors, est-ce que cette fois-ci, la bureautique va être en français ou pas? Toujours pas. Allez, il y a du direct, bien sûr. Alors, je vais peut-être fermer. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. Voilà, c'est la bonne. Donc, il y a un petit aléa du direct. Mais je voulais vous montrer ça en petit bonus. Voilà. Ou sinon, vous installez le Langpack. Mais c'est un peu plus chiant. Et vous avez une Fedora 28 avec Maté Desktop. Tout ce qu'il y a de plus utilisable. Du moins en théorie. Voilà. Donc, je vais éteindre tout ça. Donc, vous avez vu qu'il a fallu que je passe un tout petit peu par les lignes de commande, mais pas vraiment. Très peu même. C'était ultra complexe, comme vous avez pu le constater. J'espère que cette courte vidéo tutoriel vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !